voici arrivé à la fin de l'année académique 2023-2024. Une année marquée par la sérénité, le travail d'équipe et la quête incessante de l'excellence. Au nom de toute la communauté de l'Académie des Beaux-Arts. Je dois noter que grâce à la vision, à la bravoure du chef de l'État, la détermination du gouvernement que dirige avec ténacité Son Excellence Madame Judith Souminwa, chef du gouvernement, que je viens de clôturer ces jours, l'année académique 2023-2024 sur toute l'étendue de la RDC. Il va sans dire de souligner que l'éducation demeure le cheval des batailles et l'un des engagements de la vision du chef de l'État qui consiste à doter la RDC d'un système éducatif performant, inclusif et équitable. Cette vision, combien salvatrice, vise à doter notre cher et beau pays des cadres de qualité et de véritables patriotes appelés à contribuer à l'essor du développement du pays dans tous les domaines. C'est pourquoi, sur l'instruction du chef de l'État, j'ai initié l'évaluation à mi-parcours du système LMD pour voir dans quelle mesure rectifier les tirs et consolider les aspects positifs du dit système. Tout de suite après, j'ai mis à la disposition des acteurs du secteur de l'ESSU, notamment les chefs des établissements, une série de notes circulaires pour leur rappeler à l'ordre sur le bon vivre ensemble, l'orthodoxie de la gestion, la discipline et surtout le respect strict des instructions académiques. Il y a peu, j'avais lancé la formation des bibliothécaires à l'usage de la bibliothèque numérique, in fine, pour permettre notamment aux étudiants de mieux s'instruire sur la toile. Aussi, j'avais visité quelques infrastructures dans les milieux universitaires pour m'assurer que les étudiants puissent mieux apprendre dans un environnement sain et adapté. J'ai autorisé à ce que le contrôle de gestion soit effectué dans tous les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire en vue de booster les uns et les autres à un travail de qualité. Le samedi passé, dans le souci de continuer à améliorer le niveau de vie des acteurs de l'ESSU et de m'assurer d'une rentrée académique 2024-2025 dans un climat de sérénité et de confiance mutuelle, les assises de la commission paritaire banque gouvernementale et banque syndicale viennent d'être clôturées dans une atmosphère de paix. Pour cela, je ne cesse de remercier le chef de l'État pour sa volonté traduite à travers Madame la chef du gouvernement. Il reste beaucoup à faire et rassurez-vous, je suis disposé à relever n'importe quel défi. Moi, Sombo Ayanessa Fimukuna Marie-Thérèse, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 90 et 93, vu la loi cadre numéro 14-004 du 11 février 2014 de l'enseignement national, vu l'ordonnance numéro 16/071 du 29 septembre 2016 portant l'organisation et fonctionnement des organes d'administration de l'enseignement supérieur et universitaire, vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'ordonnance numéro 20/017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des ministères, spécialement l'article 1er littéra B, point 34 relatif au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, considérant le calendrier académique 2023-2024 contenu
dans l'instruction académique numéro 025 du 13 novembre 2023 portant directive pour l'année académique 2023-2024, je déclare close l'année académique 2023-2024 sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. Ainsi fait à Kinshasa le 16 septembre 2024. Je vous remercie.